Bonjour et bienvenue dans Un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour s'intitule « Votre passé n'est pas une prison ». Le prix du nouveau prévu par Dieu peut parfois paraître très élevé, jusqu'à ce que l'on se rende compte du prix de ce qui est ancien dans notre vie chrétienne. Mon ami, notre passé doit nous servir de leçon, mais pas de prison. Avez-vous déjà été frustré de voir votre marche chrétienne ressembler comme deux gouttes d'eau à celle d'il y a 15 ans, ou 5 ans, ou même 2 ans? Ne vous placez pas sous le poids de la culpabilité. Mais avec moi, acceptez de faire face à la vérité. On ne peut avancer avec Dieu en dormant dans la poussière des vestiges du passé. Dieu est un Dieu de mouvement qui fait des choses nouvelles. Et le véritable prix de ce qui est ancien est la mort spirituelle. Alors aimez le nouveau plus que l'ancien et désirez davantage le futur que le passé. Dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, l'apôtre Paul nous écrit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Aujourd'hui, laissez l'Esprit de Dieu vous prendre par la main et vous montrer ce que vous n'osez pas voir. Est-ce trop grand? Est-ce trop différent? Est-ce impossible? Respectez le passé, mais travaillez avec Dieu pour le futur qu'il a pour vous. Mon ami, dites oui au nouveau de Dieu. Acceptez qu'il vous fasse perdre un peu votre confort pour que vous appreniez à marcher avec lui. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.